kid. I got the rhyme. I say it and you open the door. That's how it works, right? Hey, did you hear me? I said... Hey! Kid! Look out, it's... Get out of there! Come on! Poor little Stephen Skelter. Even the chaplain won't forgive you. Forever lies your pleading cries, but Susie knows you felt her shit. Nowhere left for you. Nowhere left for you to run. Every fault laid bare in the open. Leave him alone, damn it! No! Along with your skin splayed out from within. Once the monster has his fun. Oh, God! Darling! Take heed. It's not too late. His mistakes needn't haunt you forever. He's just a kid, you son of a bitch! Though you have regret, you can't just forget. You alone decide your fate. You to leave, sir. We've got everything under control. Where's my son? Where's Charlie? Please, Mr. Pendleton, you don't want to be here. Let one of my officers drive you back to the command center, and we'll call you when... Where's my boy? Is he out there? Charlie! 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 It wasn't me. I didn't. I mean... Wait! Come back! That thing is in there! It's not safe! Oh, shit. Bon. Alors en fait, si effectivement c'était bien la même chose dans le... que finalement Murphy dit qui est marqué dans la cantine, et ce que Murphy dit effectivement, je me souvenais pas de ça. Donc tiens, bah, le cadavre a disparu. On assiste là à un meurtre totalement gratuit d'enfant qui je trouve ça assez honteux pour un Silent Hill, parce que ça veut rien dire du tout, c'est juste de... enfin je trouve c'est juste de la violence gratuite. Surtout que je pense que on avait compris depuis longtemps que son fils était mort. Enfin bref. Il y a aussi autre chose que je reprocherais vraiment à ce Silent Hill, et ce qui est dommage, c'est que ça enlève beaucoup au niveau de l'intensité dramatique des scènes. C'est les expressions faciales qui sont juste absolument dégueulasses. Elles étaient bien meilleures dans Silent Hill 3, qui est sorti 10 ans plus tôt, quoi. Et nous voici, de nouveau, dans le Otherworld. Wait, stop running, it's not safe.
God, I'm not gonna hurt you. Elles sont bizarres, ces statues. Merde, est-ce que je vais... C'est par là, non? Non, c'est pas par là. Un ennemi chiant. Oh, quelle horreur. Wait, I'm trying to help you. Sors le flingue parce que... Non, c'est pas là. Ok, d'accord. Autant pour moi. Ah oh, merde. Allez, cours. Oh là. Magnifique. Si ça, c'est pas du bug de son. Mon dieu, mes oreilles. Au secours. Au secours, quoi. Encore un truc qui m'était jamais arrivé. Oh là 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 là, mon dieu. C'est vraiment horrible, sérieusement quoi. C'est dégueulasse. Oh mon dieu. Qui c'est qui m'a fait une merde pareille? Allez. Vous devez voir moyen de sortir. Oui, par là. Oh là 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 là. Oh putain. Ah. Oh puis je suis mort de toute façon, comme ça c'est fait. Allez. Allez, va te faire foutre. Putain de jeu de merde. Putain, je crois qu'il va toutes me les faire quoi. Il va toutes me les faire. C'est dommage parce que ce jeu m'a enthousiasmé autant qu'il m'a déçu. Au début du moins. Parce qu'il est globalement il est meilleur que Homecoming, comme je vous l'ai dit, mais m'a aussi beaucoup déçu, bah, pour toutes les raisons que vous savez. Et là en fait, plus j'y joue, plus je le trouve chiant en fait. Allez, c'est bon. Déjà, j'ai plus de bloc de son. Ça évitera mes oreilles de vomir. Ou
plus que ce qu'elles ont dans l'estomac. C'est par où qu'on tourne, c'est par ici. Allez, renverse, 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 renverse. Et avance, putain! Avance! Avance, putain de merde! Allez! Allez! Allez, putain, oh la vache! Oh merde, vas-y. Oh mon dieu, quelle purge! Je peux même pas mettre sur pause, nique sa mère. On passe à Silent Hill, on arrive dans Saut. D'accord, on va dire que celui-là ne bouge pas, hein. Celui-là, il n'y a pas de problème. 3, 4, 5... Ok. Ah, du soin. Magnifique. Je vais peut-être pouvoir arriver à savoir combien j'ai de vie. 66, ouais, ça va le faire. Enfin, je crois, j'espère. Il va certainement falloir que je me soigne encore ici. Fais-en tomber une autre. Putain, bien sûr, faut qu'il recharge. Hop, crève. C'est bon. Ouh! Nom de Dieu! Alors là, je sais plus trop ce qu'il faut faire. En tout cas, il y a une image avec la petite fille qui court vers la lumière. Là, c'est un petit peu un labyrinthe qui se répète sans cesse, en fait. Il me semble qu'il faut trouver le bon, la bonne sortie ou quelque chose comme ça.
Non, c'est pas par là, je pense pas. Ah, vas-y. Ah, c'est là. Bah, en fait, je pense qu'il faut toujours suivre la lumière, en gros, plus ou moins. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait? On descend ou on monte? Oui, on va dire qu'on monte. Ah, c'est là, hop. Alors, pareil, ça, j'ai l'impression que c'est un peu repompé de Shattered Memories. Il y avait un pareil, un passage un peu comme ça. Et nous voici dans le théâtre. Il y aurait des trucs à faire. Deux ou trois trucs là, par là y'a quoi? Je sais plus s'il y a des trucs à récupérer. De l'autre côté. Si en fait non, ouais, je vais d'abord commencer par aller là-haut. On aura de l'autre côté après. Ouais. Hop, une trousse. Ce sera pas mal. Chandelier. Ah putain, puis y a un ennemi dessus, bien sûr. Le rideau. Voilà. On sait pas trop ce qu'est devenu DJ Rix, mais... ça a pas l'air de l'avoir réussi. Passe quoi là? Bon, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Genre! Bon, ok. Tiens, il est fini. J'espère que ça sert pas à rien de descendre le chandelier. Ah, il y a une putain de dolle là, je sais plus où elle est. Examiner, tiens.
Ah oui. Si innocent. Dans son fort intérieur. Bougie. Allez. Il y a une autre, je sais plus où elle est. Elle est là-haut, putain, cette salope. Elle a pas l'air de m'attaquer. Ok, maintenant. On va remonter le chandelier. Enfin, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et là, on a pas mal de signes. D'ailleurs, dont les genres de triangles sont les signes de sauvegarde de Silent Hill Origins. Celui du milieu, c'est le signe de sauvegarde de Homecoming. Et celui d'après, ben, je sais pas trop ce que c'est en fait. Donc ça donne un genre de code. Ça fait, ouais, en gros, on va dire triangle, triangle. Rond, carré, triangle. C'est ça, quoi. Ça ressemble beaucoup à la porte des enfers, ça. Et là, qu'on avait deux fois triangle, ici. Ensuite, rond, carré, triangle, c'était ça, hein.
Hey, get away from her. Where am I? Why are you doing this to me? Thank you for coming to shepherd your son home, Mr. Pendleton. I know it's difficult losing a child. With all due respect, I don't think you do. And like I already told you, there's been a mistake. I buried my son years ago. I understand, Mr. Pendleton. We all deal with grief in our own way. Shall we? What? Now, if you'll just sign for your son's body, you can take him home. No! This isn't my son! This thing's a monster, a murderer! Yes, well, I suppose that runs in the family. What the hell are you talking about? Don't you know, child? Have you wandered so far off the path to not even realize who you are? What the hell are you talking about? So often the answers are before us, Murphy. If only we allow ourselves to see them. Why are you doing this to me? There were those who dwelt in darkness and in the shadow of death. Prisoners in misery and chains. Because they had rebelled against the word of God. When they cried out to the Lord in their trouble, I screwed up. He saved them. But I didn't see any other way. He brought them out of darkness. You don't know what it was like to know it was my fault he was gone. Every time I shut my eyes, I saw Charlie's face, and all I could think was, that monster is still alive, but I'll never get to see my boy again. Why are you doing this to me? What do you want? What I did to Napier didn't solve anything. Charlie was still gone, and I was stuck in prison. Everything spiraled out of control. It was my fault. I just want my life back. Revenge is a long, treacherous road, isn't it, Mr. Pendleton? Where do you suppose it ends? It's yours, if you want it. You only need to claim him as your own. You see? I knew you'd come around in the end. Welcome home, Mr. Pendleton. Glory be to God. Charlie! Charlie! Hold on, I'm coming!
Charlie! Charlie! Boss fight! Il m'a même pas touché. Aïe! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Non mais non. Aïe, 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 aïe. Ah bah croix, c'est ça. Enfin, je sais plus sur quelle touche il fallait appuyer. You killed him. You killed the boogeyman. Doesn't matter. It didn't bring you back. Nothing can bring you back. It's not your fault. I'm sorry.